Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore branché à Zoom Eco Live, votre magazine économique qui émet du lundi au vendredi. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voici donc pour vous, sans plus tarder, l'ossature de l'édition. Pour commencer, nous aurons les chiffres clés qui nous parleront des charges rétrocédées aux administrations financières durant tout le mois de mai 2022. Un dossier sera aussi sur ce plateau avec Benita Mwini qui nous donne des précisions sur les 4 facteurs du tournant économique de 2021 d'après l'agence de notation Bloomfield. Nous aurons aussi des nouvelles analyses à faire dans la chronique du jour avec Patrick Bomboka. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques, prenons d'abord les nouvelles en bref et on se retrouve juste après. Sens nouvelles en bref avec cette information. Pour le seul mois de mai 2022, les dépenses du gouvernement congolais pour assurer les déroulements normaux des activités de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo s'y sont chiffrées à 50,3 milliards de francs congolais, soit plus de 25 millions de dollars américains. D'après le rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire du ministère du Budget, les dépenses de la Chambre basse du Parlement congolais s'y chiffrent en cumul annuel à 218,4 milliards de francs congolais, soit 109,2 millions de dollars américains. Autre information, l'inflation de la République démocratique du Congo a atteint 5 315% au niveau national et 5 337% à Kinshasa, la capitale du pays, en juin 2022. À en croire les données communiquées par l'Institut national de statistique à la troisième semaine du mois de juin 2022, l'inflation nationale de la semaine s'est établie à 0,223% contre 0,240% la semaine dernière et à 0,235% contre 0,260% une semaine passée à Kinshasa. L'inflation s'est située en cumul annualisé à 11,873% au niveau national et à 11,924% à Kinshasa. Suivant ces nouvelles en bref avec la Banque mondiale qui a décaissé la somme de 185 millions de dollars américains en faveur du trésor public de la République démocratique du Congo au titre de déboursement d'appui budgétaire direct. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST en sigle publié le mardi 21 juin 2022. Selon les services du ministère de l'EPST, la mise à disposition de ces fonds intervient dans le cadre de l'exécution du projet PERSE financé par la Banque mondiale conformément aux accords entre celle-ci et le gouvernement de la RDC. Et pour finir, cette fois-ci, les communiqués panafricains du commerce et de l'investissement du secteur privé a publié le vendredi 17 juin 2022 son rapport intitulé « BAFTRAC Africa CEO rapport d'enquête sur le commerce 2022, évaluer l'impact de la ZLECAF sur les commerces africains ». Selon ce rapport, 93% des chefs d'entreprise africains sont plus de 800 PDG africains originaires de 46 pays interrogés entre mars et juin 2022 s'attendent à ce que la ZLECAF entraîne une hausse de commerce intra-africain. On se retrouve une fois encore sur ce plateau. C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. Nous entamons cette édition avec les chiffres clés qui nous met à jour sur le taux de change. Et aujourd'hui spécialement, nous aurons une nouvelle thématique qui revient sur les charges rétrocédées aux administrations financières durant tout le mois de mai 2022. Ça sera avec Judith Tunamaka. Suivez. Les courbes économiques, les précisions chiffrées au sujet de la République démocratique du Congo, nous les avons toujours avec Judith Tunamaka dans les comptes de chiffres clés et elle est déjà avec nous. Judith, bienvenue. Merci Judith. Alors pour commencer actuellement, que devons-nous retenir sur le cours de change actuel? En mettant au point la mise à jour du barème de bourse en République démocratique du Congo, commençons donc par le réglementaire qui n'est rien d'autre que le taux à l'officiel. Mise à jour, 1 dollar se change à 2004 francs congolais, 1 franc CFA se négocie à 3,20 centimes et 1 euro se monnaie à 2,099 francs congolais. Sur l'approximative qui n'est rien d'autre que le taux au marché parallèle, réactualisé dans la commune de Lingwala, 1 dollar vaut 2,032 francs congolais, 1 franc CFA revient à 3,30 centimes et 1 euro s'altère à 2,179 francs congolais. Alors on va évoluer pour parler d'ailleurs de notre thématique principale. Quelles sont les charges qui ont été rétrocédées aux administrations financières durant tout le mois de mai de cette année en cours? Le gouvernement de la République démocratique du Congo a concédé un montant de 368,6 milliards de francs congolais, équivalent à 184,3 $3 millions au titre des rétrocessions dues aux régies financières. Le montant attendu quant à la restitution aux établissements financiers pendant cette période a été accordé à 349,1 milliards de francs congolais, soit 174,1 millions de dollars américains, ce qui signifie une cote de concrétisation budgétaire de l'ordre de 105,8% au profit des charges de rétrocession dues aux administrations financières. Alors, évoluons avec vous en ayant des précisions sur les charges rétrocédées aux administrations financières depuis le début de l'année jusqu'à fin mai 2022. Par rapport à leur niveau de réalisation à fin avril 2022, qui est de l'ordre de 185,4 milliards de francs congolais pour le seul mois de mai de la même année 2022, le gouvernement congolais a décaissé 91,6 millions de dollars américains à l'avantage des administrations financières. Il faudrait signaler également qu'au cours de la même période de l'année dernière, la somme retrocédée aux régies financières a été de 214,8 milliards de francs congolais, c'est-à-dire 107,4 millions de dollars américains. Et pour finir, Unamaka, dites-nous comment est-ce que ces recettes publiques se sont représentées depuis le début de l'année? L'accomplissement des recettes publiques depuis le début de l'année en cours se présente comme suite. En janvier 2022, les recettes mobilisées ont été chiffrées à 917,1 milliards de francs congolais, soit plus de 458 millions de dollars américains. Pour le mois d'avril, les régies financières ont assemblé 3,429 milliards de francs congolais, c'est-à-dire 1,7 million de dollars américains. Au courant du mois de mai 2022, les directions financières de la RDC ont affilé les recettes de 1866,2 milliards de francs congolais, représentant 933,1 millions de dollars américains. Merci à vous, Judith, pour toutes ces précisions chiffrées. Retrouvons-nous prochainement déjà. Merci à vous, Judith. C'était un plaisir. Quels sont les 4 facteurs clés du tournant économique de 2021? Benita Mwini nous en parle avec plus de précision. Restez branchés. Les 4 facteurs clés du tournant économique de la République démocratique du Congo, nous en parlons avec Benita Mwini qui est déjà avec nous. Benita, bienvenue. Merci Piombo. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous éclairer sur ce que renseigne l'agence Bloomfield dans son rapport sur l'accroissement des recettes publiques de la RDC en 2021 pour commencer? Voilà, d'après l'agence Bloomfield, l'année 2021 a été un tournant décisif pour l'économie des pays d'Afrique centrale, notamment la République démocratique du Congo, dont l'année a été marquée par l'accroissement de recettes publiques. C'est ainsi que dans un rapport publié le lundi 20 juin 2022 par l'agence Bloomfield, il a été révélé que les réformes entreprises par les autorités congolaises qui visaient à renforcer la mobilisation des recettes ont permis à l'économie de s'attaquer aux problèmes liés au développement du pays. Et quels sont ces facteurs qui ont donc milité pour l'amélioration des indicateurs économiques en RDC durant l'année 2021? Toujours d'après Bloomfield, 4 facteurs ont milité en 2021 pour l'amélioration des indicateurs économiques, à savoir premièrement, une super performance en termes de mobilisation des recettes allant au-delà des objectifs fixés avec le Fonds monétaire international et ceux fixés dans le contrat de performance avec le régie financière. Deuxièmement, la maîtrise des salaires dont la part relative a considérablement baissé par rapport à 2020. Troisièmement, une part plus importante du budget alloué aux investissements et pour finir, des dépenses de fonctionnement contenues. Avant de mettre fin à notre échange, j'aimerais aussi que nous puissions parler de l'année en cours, l'année 2022. À combien ont été évaluées les recettes publiques collectées pour la période allant de janvier au 13 mai exactement? Pour la période allant de janvier au 13 mai 2022, les recettes publiques collectées ont été évaluées à 4,199 milliards de francs congolais contre les dépenses de l'ordre de 6445,8 milliards de francs congolais, soit 3,091 milliards de dollars américains. Les recettes collectées au cours de cette période dégagent un solde excédentaire de 1,1 milliard de dollars américains, ceci d'après le chiffre du compte du Trésor communiqué par la Banque centrale du Congo à travers le condensé d'informations statistiques du 13 mai 2022. Merci à vous Benita, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous Piombo. Et voilà donc cette édition se poursuit et comme vous le savez, au centre de ce magazine, c'est l'économie. Et cette fois-ci, dans la rubrique chronique, Patrick Bomboka nous apporte des nouvelles thématiques à analyser. C'est tout de suite. Bonjour. Le marché de l'énergie solaire voltaïque a continué à battre des records en 2021 avec notamment de nouvelles installations d'une capacité totale estimée à 175 gigawatts en 2021, soit 36 gigawatts de plus qu'en 2020. Selon les derniers rapports du programme des Nations Unies pour l'environnement, cette performance est perçue comme la plus haute augmentation annuelle de capacité jamais enregistrée. Ce qui porte d'ailleurs la capacité solaire voltaïque mondiale cumulée à 942 gigawatts. Les statistiques renseignent que fin 2021, au moins 7 pays disposaient d'une capacité installée suffisante pour satisfaire au moins 10% de leurs demandes d'électricité à partir de l'énergie solaire voltaïque, contre seulement 2 pays en 2020. De l'avis de certains experts, l'Afrique et le Moyen-Orient ont quant à eux ajouté environ 5,2 gigawatts de capacité en 2021, ce qui représente une hausse de 3% pour un total de 28 gigawatts. Néanmoins, pour la 9e année consécutive, l'Asie a dominé toutes les autres régions du monde en matière de nouvelles installations solaires voltaïques, représentant en tout 52% de la capacité mondiale en 2021. L'Asie est donc suivie des Amériques avec 21%, bien devant l'Europe qui se contente de 17%. Il y a lieu de noter que le nombre de pays ayant atteint l'objectif de couvrir au moins 5% de leur demande d'électricité à partir du voltaïque installé a été le plus faible en 2021. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom wenze sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est à présent temps de faire le marché avec Naomi Kande dans Zoom wenze, cette rubrique qui vous ramène les différents prix des produits retrouvés dans le marché congolais avec les moindres détails sans que vous n'ayez besoin de vous déplacer. Et c'est tout de suite. Certains ménages optent pour les articles en plastique en ce qui concerne les gobelets, les assiettes, les couverts, bref, la vaisselle en général, parce qu'ils durent plus longtemps, coûtent moins cher et sont moins cassants. Ces nouveaux numéros Zoom wenze vous emmènent à découvrir le prix de quelques articles de vaisselle en plastique. C'est parti! On débute notre marché du jour avec une armoire orientale qui se vend à 92 500 francs et 77 000 francs. Cela dépend de la grandeur et de la qualité de la matière. Égouttoir vaisselle est un panier dans lequel on range le pièce de vaisselle pour le faire sécher et cela revient à 13 000 francs. Une étagère en plastique se vend à 22 100 francs et 22 300. Pour ceux qui préfèrent des étagères au salon, cela revient au prix de 22 900 francs. Un bol en plastique coûte 2 800 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer aussi de bols en plastique avec couvercle qui se vend à 3 000 francs. On vous ramène le prix de seau où un seau qui mesure 12 litres se vend à 4 000 francs. Celui de 30 litres est fixé à 11 950 francs. Un seau de 60 litres se vend à 18 000 francs. Et la plus grande dimension de seau de 100 litres se vend à 30 000 francs. Un seau avec arrosoir de 11 litres coûte 8 600 francs. Zoom wenze vous emmène aussi le prix des glacières de 60 litres qui se vend à 67 650 francs. Un bassin en plastique se vend à 8 650 francs. Un panier à provisions qui vous permettra de faire tranquillement les marchés, cela se vend à 6 150 francs. Un panier à linge coûte 7 500, 2 800 francs est le prix fixé d'un panier à corbeille. Un ensemble de fourchettes en plastique coûte 2 000 francs et celui de couteau se vend à 2 000 francs. On clôture notre marché avec un ensemble de verres à vin fabriqués en plastique qui se vend à 4000 francs. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, tout à l'heure, nous allons donner la parole à Ada Sagrace qui nous donne des précisions sur les rendez-vous économiques qui ont lieu ici en République démocratique du Congo. Vous voulez en savoir plus? Apprêtez votre carnet et votre stylo pour noter. C'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Le Forum international de médias a commencé ce jeudi 23 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec le thème « Les contenus et business à l'ère du digital face à la Covid-19 » et ses clôtures le vendredi 24 juin prochain. Un nouveau rendez-vous à prendre cette fois-ci, il s'agit d'un webinaire intitulé « Droit au but » qui se tiendra ce vendredi 24 juin de 14h à 16h30 et sera axé sur « La jeunesse et les emplois du futur ». Rappelons que la Foire internationale africaine se poursuit jusqu'au dimanche 26 juin prochain à Paris. Enfin, la Foire de la culture se poursuit jusqu'au jeudi 30 juin prochain au terrain de l'INEPES en face du Musée national à Kinshasa. Elle n'est pas gratuite car le frais de participation est fixé à 20 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Avant de nous séparer, alors à présent la découverte d'une autre activité commerciale retrouvée ici en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Les détails, c'est dans ce nouveau numéro de Article 15. Regardez. Naza hôtelier de formation, je fais l'ISP, la salle gestion des entreprises touristiques et hôtelières, je laisse à Rabatou, je l'ai amené à Rabatou, même dans l'hôtel, tout ça dans l'hôtel, le site touristique, donc vraiment il y a un des arts métiers dans la vie. Déjà 13 ans, on a exercé un métier. On aime ça, la famille est mais ma famille est belle, on toujours soutenir, même les amis. Force na mozo utara na métier, c'est un métier très noble. On peut aider mutu à épanouir à la paix, mutu na vie, à la sens na vie. L'avantage, c'est vraiment un bel et dans un la stable, nabala, na foutu la peine d'accou, na battu sous en charge, aux ans musala déjà aux assurés, hormis en haut, musala au pesa, na occasion, yako kutana battu belé, le président au Aleka, le président Kabila, to kutana to solo la grâce à musala au. Le président François Hollande, grâce à Moussala, le président Zouma, grâce à Moussala, on va te belé, on a une bonne relation pour Moussala Oyokaka. La difficulté est en raté, les appels belé, tu auras plus combattu, tu auras un métier au témoin, tu as mis côté ça. Un métier donc on parmi la difficulté de Koutana. Donc on salue la présentation bien mais on trouve ça y est on a moins cher na conseil le peu boyer les capé malam ouais ils sont des difficultés y a non bateau basala musaloté bah s'infiltra donc comme on voit la guerre na bateau bah non métier quoi. Conseil na ba parents ba aider bana na bango basala hôtellerie, c'est-à-dire mingi na ba parents ba mona ngolo ko eza misala mo ya bato ba ebi lokote ro eza misala o dans 2-3 ans moi na ko ko kota na activité na musala ba mo pe akomi ko aider famille donc va encourager ne bana basala parce que lelo to mona ba hôtel les autres ngama la restaurant n'en parlons pas donc une fois moi on a se lancé dans le métier facilement puis avoir ça côté biso ba jeune métier ils ont vraiment très capital ils ont et pour beau tous les bénéfices et bien. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Tunamaka, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par ici que se clôture cette édition de Zoom Eco Live. C'était un plaisir de savoir que vous avez été nombreux à nous suivre. Et pour rappel, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes. Vous serez toujours mis à jour sur l'évolution de l'économie en RDC. Nous émettons aussi à la RTNC, mais aussi sur B1 Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très vite.